Yo la team chien stache mou. Alors épisode 3 de la GasGas 125. Là on va prendre les valeurs, les diagrammes, l'échappement, le transfert d'admission. Bref, tout, t'as compris quoi. On va essayer de chèvre en papy et on va aller à l'atelier pour attaquer ça. J'espère que vous êtes prêts. Il y a du soleil, ça me défonce les yeux, mais je suis OP. On va aller à la team, on va aller voir papy. On va voir ça dit quoi. Et ma mère. Despo. Avant que la porte se referme sur ta gueule. Oh le disque, il est là, il est prêt à être mis dessus. Hein. Oh, il m'a sorti du matos bizarre et tout. Oh, qu'il est chaud le papy. Ah, qu'il est chaud, je sais pas c'est quoi ça, mais qu'il est chaud. J'espère qu'il est vraiment chaud. Là, je sais pas, il fait quoi là? Je crois qu'il gratte là, non? Ouais, je pense qu'il est en train de gratter là. Il gratte. Je vais fermer la porte du garage. Parce que je le vois déjà venir. Et regarde là. La porte! Déjà, avant de commencer toute chose, je vais couper la musique. Parce qu'à la dernière fois, je vous ai mis une vidéo, il y avait un peu de musique. Alors, ça a fait droit d'auteur, je sais pas quoi, ça a dû couper le son. C'était un peu naze. Donc, je préfère qu'il n'y ait pas de musique. Au moins, on est tranquille entre nous, les gars. Ah. Bah oui, je suis dans la merde, j'ai pas d'écrou. C'est ce qui arrive. Mais comme un écrou de pitbike. Pourquoi j'en ai pas, je sais pas. Regarde dans tes allumages, surtout t'en as laissé un dans une coche. Non, j'ai vu. Ah ouais, tiens. Je suis trop fort. Bon, première étape. Ça c'était pour les 50, c'est pas bon. Ça c'est pour plus gros. Faut adapter. Voilà. En fait, avant d'adapter, avant de faire ça. Je vais déjà faire ça. Est-ce que tu parles dans ton micro là? Non, je parle pas à mon micro, je parle à la caméra. À mes milliers de personnes qui regardent derrière. Ah ouais, à les trois mecs qui regardent. Salut les trois mecs. 4 avec Pascal. Donc c'est vrai, j'ai démonté ça. Attends, ouais, ça va. Viens moi cette caméra, je veux pas te filmer. Vas-y, c'est bon, je coupe. Là, il va modifier la pièce. En attendant qu'il la modifie, je range les outils. Ça. Je vous prends vous avec la vue sur une clé. Et on range tout ça, il y a quoi ici qui manque? Il y a de manger. Tout va être en mode. Ici. 11. 9. C'est quoi ce bail chelou? 9. Ah non, il y a 2 fois 10. Un normal tout ça. Pareil, il y a 2 fois 8 ou quoi les gars? Pourquoi 9? Ah ouais. Je veux pas de la 9, je préfère la 8. Hop là. Et on va la mettre là. Toute une organisation des lancements. Après. 17, 14, il manque la poêle, je vous. Ah, elle est à 13. Hop là. Ça. Gaspo, dégage. C'est petit bâtard. Casse les couilles, c'est petit bâtard. Tu es de merde, t'as écrit 18. C'est quoi ce texte? T'as fait quoi, t'as modifié ça? Ouais, je m'en fous, ça. Putain, la 17, hein. C'est une clé de 18, ça, apparemment. Ouais, ça y ressemble. Non, c'est ton écrou, il a la gueule à Michel Simon. Arrête, il est tout neuf, mon écrou. Tout neuf? Il est monté dans les règles de l'art. Il est ovale? Non. Bah oui. Ça s'est fait exprès pour que ça aille. Ah putain, ouais, mais faut que j'usine. C'est avance variable. Ouais, j'ai pas envie d'usiner le truc, putain. Ah, parce que tu comptais pas l'usiner? Non, j'avais pas envie de l'usiner, tu vois. Parce que faut que je fasse tout un montage. Et là, y'en a pas. Ici, j'accroche le disque gradué sur. Ah, mais ça va, il rentre et tout. C'est la clé qui rentre. Bah, c'est pas grave, au pire, on le tient comme ça. Tu vois, en le tenant.
Ouais, ça va pas être terrible. Bon, je pense que ça va le faire, moi, t'inquiète. La saladerie n'est jamais finie, non? Tu vas voir, ça, tu vas voir, ça marche pas. Ça casse les couilles à chaque fois quand il faut ouvrir tous les tiroirs pour retrouver. Hop. Rien d'autre, si le pied à coulisse, je vais le manger aussi. Ouais, mais ça, c'est de la merde. Ça commence bien, dis donc. Donc, je veux bien vous faire comprendre le délire. À la base, le disque gradué, il se fixait sur ça, qui est fait pour nitro en fait, pour scooter. Mais vu que là, le filage est beaucoup plus gros, à la base, juste une vis sur un nitro ou méca bois, tout ce que tu veux, sur un 50. Et bah voilà, après, c'est bien bloqué. Mais là, ça y va pas. Donc, faut mettre une pièce qui bloque. Et bah merci. Oula, ça bosse sur une glace. Ouais, ça essaye. Ça fait préchauffer le moteur. Comment ça se fait que les transferts à étoiles sont plus petits que dans un Too Fast? Les transferts sont plus petits? Non, pas les transferts, mais l'échappement, ouais. Parce que t'es mal, il est quand même balèze dans le transfert. Ouais, les transferts, ça va. T'as du quoi, toi? Bah ouais, les transferts, ouais, l'échappement, par contre, il est plus petit. Ouais, effectivement. Ouais, ils sont gros, les transferts, on va pas se mentir. Mais l'échappement, il fait d'ahak. Deux fois, même, carrément. Et ça, c'est pour mettre la valve qu'il y a pas. Ouais. Pour bien te foutre le seum. Ça, à la base, c'est là. Parce que la valve, ça rajoute du couple à la barrière. Ouais, mais je m'en fous, frère. On va mettre bon allumage, tout ça. On va tout rattraper, t'inquiète. Tu peux mettre un allumage de 50 dessus? Ouais, la dernière fois, j'ai pris un rotor de dirt bike, ça rentrait dedans. MVTD des pitbikes, merci. Non, mais attention, t'as la carte au 4 temps, surtout. Non, mais reste avec un CDI, frère. Tout est une. C'est un vélo, ouais. C'est un vrai vélo. Ouais, c'est vraiment, franchement. C'est pas mal, on va dire, c'est une bonne base de prépa, mais bon. Faut un papy motivé. Quel bâtard. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Ouais, mon contrat, c'est... Ah non, il s'est occupé de ton... De quoi? Ton moteur. Un peu. Là, il est en train de me préparer une pièce pour juste mettre le disque. T'as vu qu'on peut avoir les cylindres pour ça? Et comment ça? C'est pas vrai. Ah, fils de pute. Allez, demain. Quel bâtard. C'est vraiment... C'est ce genre de blague, là? Faut pas me le faire, hein. C'est pas cool. Bon, on va voir ce que papy fait. Même si je sais qu'il veut pas montrer. On fait genre, on vient en caméra cachée comme dans Zone Interdite. Genre, je cache la caméra. Oh, mon oreille! Oh, horrible ce bruit, les gars. Oh, il m'a cassé l'oreille. Ah ouais, moi, je peux pas faire tourneur, ni fraiseur, ni rien du tout. Bon, vas-y, je vous remets la vidéo quand il a usiné la pièce, les gars. Bon. Papy a réussi à modifier l'outil. Ça passe. On va pouvoir monter ça. Monter, ça donne ça. Après, il faut récupérer un petit repère en ferraille, genre un bout de fil de fer bien dur que tu vises et que tu mets comme ça. Je vais vous faire voir de toute façon. Je vais attaquer ça. Et toi, il est là. Il faut la faire aussi, je suppose. Tu mets le piston la cage comme ça, juste sans clip, sans. Putain. Ah oui, tu peux remettre le truc. Oui, ça va pas être pareil. T'inquiète, blanc.
Ah non, c'était resté dessus. Oh là là. Ça passe tout seul, fou. Ah, puis tu remettras sur le cylindre. C'est pas trop mal. Ça va être encore une galère, ça. Je vais voir pour dépanner si je peux mettre ça. Le plus grand. Ah, regarde, tu fais tout. Ça a l'air d'y aller. Pas ici, là. Tu l'es prêté, on va me la renvoyer. Quoi? Je vais prêter à qui? Mais sur le circuit, l'autre jour, ils en avaient besoin parce que le dimanche, ils allaient rouler. Et frère, elle est pas là non plus? Là, c'est quelqu'un qui l'a pris. Elle est à côté du tour, l'un des deux tours. Ils vendent pas mal aussi, là. C'est quoi ce bordel? Je vais voir si j'arrive avec cette merde. Ouais. De ce côté, ça va. On a besoin de serrer comme un ballon, les vis. Tiens, tiens. Je le sais, j'en ai mis une là, une là. Oui, deux. C'est pas dit. Il faut un fil de fer au fouillon. Ça bouche les frontières ou quoi? De peu. Un peu. Un peu quand même. Ouais. Il y a deux loups. Ouais. Ouais. Mais un poil quoi. Genre à la hauteur du segment là. Genre du segment. Ok. Voilà. Tu lui faire travailler pour pouvoir le plier. Au top. Ça va être plus long. Allez, ça se fera mal. Et voilà. Je vais le glisser là, comme ça. Et puis voilà.
Non, c'est le bâtard. Plus près. Là c'est nickel. Bon, je vais essayer de mettre un petit peu plus d'écart. Voilà. Alors moi je sais que ça touchera pas. Bon, on va mettre un ras des lumières. Après la merde ça va être de bloquer le vilebrequin quoi. Ça va être le plus sûr pour tourner le disque. Vu que c'est un scooter, après vous taper à l'envers. Moi je vois 128 à l'admission. 128 à l'admission, c'est pas trop mal. Maintenant, on va voir à l'échappement. On fait la même chose. Je vais vous faire voir. Ce qui est bien à faire, on va dire en gros, je vais vous faire voir. Bon, je suis tout seul donc c'est galère. C'est de mettre un flash dans l'échappement qui est là. Voilà. Et là, vous voyez la lumière. Bon, en fait, il faut tourner pour que je sois au mass rabord possible. Ouais. Voilà, ça c'est pas trop mal. Et là je mets à zéro. Je remets à zéro. C'est compliqué tout seul. Compteur 0, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, donc 175. 175, 128, moi je vois. 175 à l'échappement et 128 sur les côtés. 128 seulement sur les côtés, deux joints. Et 175 à l'échappe, ça me paraît bien. Ouais mais j'aurais bien que tu le revérifies frère. Parce que il est marrant, lui il me fait confiance comme si je le faisais tous les jours. C'est ton matos ma gueule. Déjà le disque il est à l'envers, ça veut dire déjà j'ai compté à l'envers tu vois. Mais bon parce qu'il y a plusieurs sortes de disques, il y a des disques qui font genre 0, 180 et tu vois 180, bref. Qui le font dans les deux sens, c'est pour que tu calcules. Lui il te le fait dans un sens, donc moi je l'ai fait en temps dans le temps, mais c'est pareil. Bref, il va venir contrôler et je vous dis ça les gars. Bon là, j'ai serré cette pièce, donc on part de n'importe quel chiffre, et papy il a dit c'est compté, donc lui il va compter. Là ça tient. Ouais là ça tient. Pourquoi t'as mis cette merde? Bah je veux pas frère, tu mets quoi toi? Bah y'a un truc là-bas, tout ce que t'as mis ça tient pas. C'est bon, moi j'ai fait avec ce que j'avais sur ma pauvre fontaine. Salade de la fontaine.
Moteur de gaz-gaz démonté. 330. Ah là, le bouche, putain. Je fais pas de la cuisine là, c'est pas la bouche. 330. Bah, tu fais. 10, 20, 30, ça fait 30. Ça fait 100. 132. De où? Au latéral. Au latéral. Au latéral, ouais. Avec deux joints. Ouais, 132 avec deux joints. Ah non, c'est pas beaucoup. L'échappe, alors. L'échappe, je pense qu'on va rigoler. L'échappe, ça fait pitié. L'échappe, on va se mettre à 3-1. À la louche, c'est rien. Alors. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus. 3-1. Ouais, je crois. Donc, je fais 10, 40. Et là, ça fait 130. 100, 120. En gros, 120 plus 40, 160. Ouais, ça, j'avais bien compris. 160, 132. Mais le problème, c'est que là, si on met deux joints en base, après, ils compriment plus le bordel. Ouais, mais je t'en, moi, j'ai pensé, il faut que tu usines la culasse un petit peu pour que ça comprime un peu plus. C'est ce que je me suis dit, moi, après. Hein. Je sais pas si t'es chaud, mais je pense qu'il y a moyen, non? On dirait que c'est fait exprès, en plus. Non, il y a rien de fait exprès. Voir si elles tourneront dans le machin. Faudrait vérifier le squish. On fera ça un autre jour parce que je me cote. Ouais, bon, déjà on a les diagrammes. On peut terminer l'épisode sur un truc à peu près positif. Mais 160, toi tu penses monter à combien en échappement? Tu veux monter à combien? Pour être tranquille, il faut mettre 190. Oh ouais, quand même, t'es chaud. Ouais, il va marcher sa mère, sur la vie de ma mère. Bon. Merci papy, merci Squidfast et merci la BNP pour cette offre promotionnelle que vous m'avez fait pour une nouvelle carte Visa. Je vais ranger les outils. Ça aussi c'est un outil ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau, et c'est très beau. On va peut-être rester là pour ce soir. Toi aussi. Voilà la team. Bon, je suis content. Les diagrammes, ça a été pris. Maintenant, il sait à quoi s'attendre. Bon, déjà il est chaud, il veut passer de 160 degrés à échappement à 190. Donc déjà 190, je sais qu'on commence à s'approcher à des valeurs assez énervées quoi, des valeurs de course. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va être. Ça va être un changement radical. Là la bécane, je me suis dit tout à l'heure, elle prenait 120, donc elle était limitée et compagnie autour. Là, si elle a des watts, vous n'êtes pas prêts. Ça va être du très sale. Tu te sauves? Ciao. Ciao. Bon les gars, moi aussi je crois que je vais me sauver parce que... Là, on a les mains vite fait sales. C'est pas un truc de fou ce qu'on a fait aujourd'hui, mais au moins ça a avancé. Je peux pas trop le presser, les gars. Déjà, ils mettent de fou. Et en plus, ça, il a grave du taf. Mais je sais que le final va être énervé. Donc, j'espère que vous êtes chaud pour me suivre, les gars. Et comme je vous dis toujours, la saladerie n'est jamais finie. Et j'espère que vous kiffez la petite vidéo que je vous mets à chaque fois, le caméo que je vous mets à chaque fois en fin de vidéo. C'est un petit délire que je trouvais super drôle. Donc, je vous le mettrai à chaque fois indifférent en fin de vidéo. Allez les gars, passez une bonne soirée, j'espère que demain ça va continuer. Allez, Despo, on sauve. Et bon.